Je suis chargé de développement solutions courant faible tertiaire. Je travaille pour les agences Rexel et Coaxel. Mon métier est d'assister ces agences à trouver les bonnes solutions pour leurs clients. Allô, oui, Jérôme Delplante, Rexel. Les solutions courant faible tertiaire recouvrent la VDI, donc tout ce qui va être solutions cuivre et optique pour les réseaux informatiques, et le domaine SECOM, sécurité communication, où on va retrouver la vidéosurveillance, les alarmes anti-intrusion, les portiers collectifs. L'essentiel de mon temps, je le passe sur des chantiers avec mes clients à définir les bonnes solutions pour eux. Les journées sont relativement différentes dans la mesure où le territoire que je couvre est assez étendu. Alors nous sommes chez Moliex à Sionzier, chez un client qui a un projet pour l'un de ses clients de vidéosurveillance. Bonjour Alain. Salut Jérôme. Ça va? Bien et toi? Bah, très bien. Je suis venu parler un peu de ton projet de vidéo. Allons-y, je t'en prie. Là je viens discuter en avant-projet sur plan pour la sélection des produits adaptés. Et puis par la suite nous verrons comment on peut mettre en œuvre ce projet avec notre prestation d'assistance à mise en service. D'accord, donc là c'est avec une circulation assez longue. Oui. Nous nous trouvons dans l'usine, l'entrepôt de l'entreprise Martin, un client d'Alain, de l'entreprise Moliex, qui réalise du contrôle sur les pièces de décolletage qu'il fabrique. La caméra dôme qu'on avait, tu vois, on a dû faire un petit support un peu spécial en urgence parce que je me suis fait piéger en fait par toute la tuyauterie. L'accompagnement c'est important parce que chaque site est différent et donc là aujourd'hui nous avons réalisé la mise en service du système de vidéosurveillance. Donc ça permet d'abaisser et puis de le faire rapidement. Je sais que tu as des supports. Il y a donc un mini dôme dans le couloir et puis après l'autre sera à l'extérieur dans le caisson étanche. On a la partie fibre optique pour la communication entre les sites. La présence de Jérôme m'apporte la garantie du bon choix du produit final. Et là, exceptionnellement, on a pris une mise en service parce qu'on a un planning qui est exceptionnellement rempli, rempli, rempli. Maintenant que les équipements ont été posés, il faut les paramétrer et les mettre en service. Et c'est le rôle aujourd'hui de notre référent IP, Patrick Chaumienne. Je suis en train de programmer donc les 5 caméras qui ont été installées pour pouvoir après les raccorder sur l'enregistreur qui sera lui-même donc programmé sur le réseau informatique du client pour que le client puisse visualiser ses caméras à distance sur son autre site de bougie. Patrick nous apporte vraiment son expertise parce que comme il programme les produits, assiste les clients, il a un vrai retour terrain. Donc il nous aide évidemment énormément dans le choix des produits et la bonne définition des équipements en fonction des problématiques clients. Ce qui me motive dans ce métier, c'est la variété des situations des clients, la diversité technique qu'elle engendre. Et puis la satisfaction de trouver toujours la solution la plus adaptée à cette situation. Tiens, dis-moi Eric, si tu as 2 secondes, est-ce que tu pourrais me chercher du câble de catégorie 6 en 2x4 paires, s'il te plaît? Ok, je regarde chez le client. Le domaine des courants faibles tertiaires est un domaine qui est assez innovant et qui bouge tout le temps avec des nouveautés assez fréquentes. Donc le chargé de développement est obligé de se tenir au courant, de pratiquer une sorte de veille technologique pour être toujours à niveau. Donc c'est un aspect, un des aspects intéressants du métier.